J'ai lu votre truc là, l'art de soigner ce pays où l'on pleure pour un chat. On a rigolé. Enfin, j'ai lu la dernière page, quoi. Face à une idéologie oppressive qui promet le culte de l'argent et la peur de l'autre, face à la souffrance sociale que cette idéologie génère, face à la multiplication de prétendues réformes aux conséquences désastreuses, face au saccage de nos missions et de nos pratiques professionnelles, face à la promotion du prêt-à-penser et de procédures managériales et sécuritaires, face à la désignation à la vindicte collective de citoyens toujours plus nombreux, face à l'abandon progressif des plus fragiles parmi nous, nous entendons lutter contre toute politique qui liquide les principes de droit et les valeurs de notre démocratie issue des Lumières et du Conseil national de la Résistance. Le Conseil national de la Résistance. Ah, purée. Elle va faire le tour du service, celle-là. Le Conseil national de la Résistance. Ah, vous êtes toujours là? Le Conseil national de la Résistance. C'est fou cette propension en ce moment à se souvenir du Conseil national de la Résistance. Indignez-vous. Il paraît d'ailleurs qu'il ne voulait pas de ce titre, Stéphane Hessel. C'est l'éditeur qui l'a obligé à le mettre. En même temps, en termes éditoriaux, c'est un coup de génie, quoi. Il n'y a plus un repas de famille, un dîner politique. Un dîner politique. Un dîner de famille. Enfin, il n'y a plus un endroit où on s'indigne pas de quelque chose. Et moi, ça m'agace parce que ce n'est pas ça le Conseil national de la Résistance. Ce n'était pas un nouveau document comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui permet de dire oh, ces pauvres Chinois qui sont exploités, ou oh, ces pauvres Africains qui vivent sous la dictature, c'est pas bien quand même. C'est pas ça le programme du Conseil national de la Résistance. Les jours heureux. Le programme du Conseil national de la Résistance, c'est une réflexion sur ce qui doit être fait pour que le fascisme, pour tous ceux qui se sont battus contre le fascisme, et j'emmerde le point Godwin, ne l'aient pas fait pour rien. C'est des gens qui se battaient pour notre liberté, et en même temps qu'ils se battaient, ils se sont dit, si on s'en sort, imaginons qu'on gagne, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour que jamais, plus jamais, un nouvel Hitler ou un nouveau Mussolini arrive au pouvoir et j'emmerde le point Godwin. C'est pas un truc genre on sort de la guerre, maintenant tout va bien, on va vivre dans une grande époque de bisounours. Non, non, c'est pas ça, quoi. C'est une réflexion sur les choses qui mènent au totalitarisme. Ils écrivent « Le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la guerre qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. » Donc ils disent plus jamais ça. Et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, ils disent il faut un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Hein. Ils n'ont pas écrit avec gestion appartenant aux représentants des intéressés de l'État et de toute structure lucrative qui aimerait se faire du beurre sur le dos des gens qui souffrent. Non, ça, ils ne l'ont pas écrit. Et donc, c'est un truc, voilà, personne ne sera laissé dans le besoin. Il faut se mettre à l'époque, hein, on est en 45, on sort de la guerre, tout est détruit, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir reconstruire, on a besoin de forces vives. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui a besoin à un moment donné de s'asseoir, et de dire qu'il ne peut pas continuer, de dire qu'il a mal et de dire qu'il a besoin qu'on l'écoute, alors on va l'écouter. On va même créer des lieux pour ces gens-là. Mais pas parce qu'on va vivre dans une grande époque de bisounours, non, c'est pas pour ça. C'est parce que si on ne fait pas ça, alors on n'est pas à l'abri qu'un nouvel Hitler ou qu'un Néo Mussolini arrive au pouvoir et j'emmerde le point Godwin. Voilà. Et quand je pense que tous ces gens-là qui se sont battus, pour que certains sont morts, certains ont fini dans des camps, et que nous, contribuables, on finance Bouygues Télécom pour qu'ils construisent des camps dans lesquels on met des gens victimes du système, et sans papier, je me dis qu'on est collectivement une belle bande de tarés. On attend quoi, quoi? On attend que ça repète, que tout se renflamme? On attend que des gens... On attend que tout le monde perde ses dents?
Aujourd'hui, il faut aller... la plupart des gens sont obligés d'aller en Hongrie pour espérer pas perdre toutes leurs dents. L'année dernière, 25% des Français, 25% ont dit avoir renoncé à des soins pour raisons économiques. Excusez-moi, il faut que je me calme. Là. C'est mon côté militant aigri qui ressort. Je ne vous ai pas expliqué. Hein. En parallèle de mes études de médecine, j'ai aussi réussi à passer de bénévole naïf à militant aigri. Nous partîmes 5000 bénévoles naïfs. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes quelques militants aigris en revenant à l'aéroport. Parce que je suis parti sauver l'Afrique. Je suis parti sauver l'Afrique et... Si, on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire. Alors j'y suis allé, quoi. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti sauver l'Afrique. Puis je suis revenu. Et entre-temps, j'ai découvert les plans d'ajustement structurel du FMI, une dette organisée des pays du Sud pour leur laisser la tête sous l'eau. J'ai découvert l'argent sale, j'ai découvert l'armée française. J'ai découvert l'armée française au Nord Kivu, j'ai découvert l'armée française au Cabinda, j'ai découvert l'armée française au Sud-Soudan. J'ai découvert l'armée française et le génocide rwandais. J'ai découvert l'armée française en Côte d'Ivoire. J'ai découvert l'armée française au Sénégal et au Mali. J'ai découvert l'armée française en Afghanistan. J'ai découvert l'armée française à la Villeneuve, banlieue sud de Grenoble. Je me suis dit que pour un pays qui n'était pas en guerre, on était quand même vachement étalé. Alors j'ai essayé de comprendre. J'ai lu, j'ai rencontré des gens, j'ai essayé de comprendre. Et il y a des nouvelles grilles de lecture qui me sont apparues, quoi, qu'on m'a transmise, une nouvelle façon, complexe mais pas compliquée, d'essayer d'entrevoir ce monde qui nous entoure. Et puis moi j'étais là, alors j'avais bien compris que c'était pas en allant construire des puits qu'on allait sauver l'Afrique, quoi. Mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Là on sait qu'il rigole, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Où j'ai la légitimité d'agir? Alors je me suis dit, on pourrait essayer de faire quelque chose que moi j'ai pas eu le droit. C'est-à-dire, on pourrait expliquer à ces étudiants qui partent faire des projets à la mort moelle-neuve, on pourrait leur offrir aussi ces grilles de lecture, essayer de leur faire comprendre que c'est plus compliqué que ce qu'on leur a dit. Alors avec quelques uluberlus, on s'est lancé dans la construction d'une association nationale qu'on a appelée MEDSI. Mobilisation étudiante pour le développement d'une solidarité internationale. Truc bien pompeux, quoi. Mais on avait de l'envie. On avait de l'envie à l'époque, quoi. On avait de l'envie. Et alors on s'est lancé. Alors au début, on organisait des grands congrès nationaux où on réunissait tous les étudiants en santé qui faisaient des projets à la mort moelle-neuve. On les mettait dans le congrès et on arrivait et on leur faisait « Vous êtes des néocolonialistes !» Et ça marchait pas terrible. Ça marchait pas terrible, et puis voilà, on s'est dit, il faut faire autrement. Et à cette époque, on a découvert l'éducation populaire. On a découvert l'éducation populaire, son idéologie, sa façon de faire. Et on s'est mis à essayer de faire de l'éducation populaire. On s'est formé avec des gens qui savaient la faire, ou qui nous paraissaient intéressants dans leur pratique. Et on a essayé de faire autrement. On a essayé vraiment d'offrir des grilles de lecture, c'est-à-dire de permettre à des personnes de voir le monde sous un regard différent, mais les laisser, quoi. Les laisser prendre ces grilles de lecture, la juger, la regarder, et puis les laisser voir, quoi, collectivement, ce qu'ils arrivaient à sortir de tout ça. Alors, est-ce qu'on a réussi? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, pour les projets en Afrique des étudiants en médecine de France, je pense qu'on a créé de belles avancées, ça c'est sûr. Après, l'éducation populaire, c'est pas un remède miracle, quoi. C'est une capacité de retrouver notre compétence, notre qualité à agir et à penser collectivement, quoi. Et donc ça vient pas du jour au lendemain, mais voilà, on a essayé tout ça. Et puis à un moment, voilà, j'avais ces deux parcours, j'étais tous les matins à l'hôpital et puis je faisais ça en dehors, j'utilisais une nouvelle grille de lecture pour essayer de comprendre les migrations, pour essayer de comprendre les sans-papiers, pour essayer de comprendre la dette des pays du tiers-monde, pour essayer de comprendre plein de choses comme ça. Et à un moment, j'ai pas pu continuer à avoir cette... Voilà, il fallait que j'utilise... Pourquoi ces nouvelles grilles de lecture, je les utiliserais pas
pour essayer de regarder ce que je faisais tous les matins, c'est-à-dire me lever et aller à l'hôpital. Faut dire que mes voyages m'ont bien aidé aussi à ça. Par exemple, en Casamance, dans le sud du Sénégal, il y a un homme qui m'a dit un jour « Si je vois les règles d'une femme, je gonfle et je deviens tout noir. » Alors j'ai regardé 2 minutes et puis à un moment j'ai osé, je lui ai dit mais tu es déjà tout noir. » Il m'a dit « Oh, mais je deviens encore plus noir et je gonfle. » Et je lui ai dit « Tu as déjà vu quelqu'un gonfler et devenir noir ?» Et il me dit « Non, parce que si on voit les règles d'une femme, alors on va faire un bain avec la vieille du village là-bas au fond. Et comme ça, on ne gonfle pas et on ne devient pas tout noir. » Il y a un autre qui m'a dit « Moi, si je suis malade, c'est que j'ai osé soutenir le regard d'un singe. » Il y en a un autre qui m'a dit « Moi, si je suis jamais malade, c'est parce que je voue un culte à Mère Nature. Et comme je voue un culte à Mère Nature, elle sait que je fais partie d'elle, et donc elle ne va pas me rendre malade. » C'est quand même mieux que du Nicolas Hulot, ça. Et donc moi, j'allais là-bas, et puis j'allais aussi là-bas pour ça, quoi, pour l'exotisme, pour pouvoir revenir et dire « Les Africains, ils pensent comme ça. Les Africains, ils sont comme ça. » Oui, j'étais vraiment con à l'époque. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais imaginez, par exemple, un truc qui me choque, la danse africaine. Imaginez, 2 Maliens qui vivent à Bamako, qui partent en Europe. Le premier est invité en Moscou. Et pendant la semaine où il est à Moscou, on va l'emmener voir un bal du Bolchoï. Le second, qui, selon la façon dont on le voit, a peut-être un peu moins de chance, est invité à Clermont-Ferrand. Et pendant la semaine où il est à Clermont-Ferrand, on l'emmène voir une bourrée auvergnate. Imaginez ces 2 Maliens se retrouvant dans Bamako et disant « Oh, la danse européenne ! La danse européenne !» Bah oui, mais oui. Bah oui, il y a autant de liens entre ce qu'on danse au Bolchoï et la bourrée auvergnate qu'entre la danse qu'on danse au Zimbabwe et ce qu'on danse au Maroc. Et pourtant, on dit la danse africaine. C'est parce qu'ils ont le rythme dans la peau. Et donc je me suis mis petit à petit à... Il m'a fallu 3 voyages, hein, 3. Et au troisième, je me suis arraché à l'idée d'essayer d'idéaliser tout un peuple, à dire les Africains sont comme ça. Et là, je me suis mis à rencontrer des gens qui étaient différents de moi, mais par le seul fait de vivre, quoi. Par le seul fait d'exister et de penser. Et là, il y a des portes qui sont ouvertes, quoi. J'ai commencé à comprendre que bah, la santé des gens, la façon dont ils percevaient leur santé, elle était aussi liée à leur culture, mais aussi à ce qu'ils avaient vécu, à leur manière de vivre, à ce qui leur était arrivé dans leur vie. Et tout ça, voilà, de nouvelles portes qui s'ouvraient devant moi. Une idée qu'on ne m'avait pas du tout donnée pendant mes études, c'est-à-dire l'idée que la santé passerait peut-être par la compréhension avant de passer par la connaissance. Et donc, quand je suis arrivé à l'espace éthique et que j'ai vu ces soignants avec 20, 30 ans de pratique arriver là et dire « On remet tout en jeu parce que moi, ça fait 20 ans, je n'avais pas fait médecine pour ça. » Et je me rends compte, après 30 ans de carrière, que on m'a eu, quoi. On m'a volé mon métier. On m'a volé mes outils de travail qui sont mes cerveaux et mes mains, quoi. Et quand j'ai vu ces soignants arriver à se remettre en question après 30 ans de pratique, je me suis dit, mais ouais, on est plein, quoi. On va réussir à tout changer. C'est bon. Il y a du monde, quoi. Excusez-moi, mais il faut que j'aille voir. Laetitia, elle vient d'arriver aux urgences de l'hôpital. Faut que j'aille la voir. Oui, bonjour Laetitia. Ouais. Tu as quel âge ? 15 ans. Et alors pourquoi tu es là ? Tu as mal ? Tu as mal où ? Montre-moi. Montre-moi. Tu as mal là ? Ouais. Et ça te serre comme ça ? D'accord. Et est-ce que tu as mal autre part, Laetitia ? Ouais. Montre-moi. Ouais, ça monte là, comme ça. D'accord. Et bon, ça descend et ça descend. D'accord, ça descend jusqu'en bas, là. J'ai tes résultats, là. Quoi ? Ah, tu es déjà venu 4 fois aux urgences. Et 4 fois, on t'a dit que tu n'avais rien. Mais moi, je ne vais pas dire que tu n'as rien, Laetitia. Moi, je sais que tu as vraiment mal. Est-ce que ça t'arrive d'être angoissée, Laetitia ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es angoissée ? Ah ! C'est ça, tu as du mal à respirer. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? C'est ça, tu te dis que ton cœur va s'arrêter. Eh bien, tu vois, Laetitia, tu as un esprit tellement fort
tu penses tellement fort que ton cœur va s'arrêter, que ton cœur arrive à mimer la douleur d'alerte, comme s'il allait s'arrêter. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Tu as vraiment mal, mais parce que tu penses tellement fort que ton cœur va s'arrêter qu'il croit qu'il va s'arrêter. Alors Laetitia, quand l'angoisse te reviendra, il faudra que tu t'assoies, voilà, et que tu souffles comme ça. Vas-y, souffle. Voilà. Et que tu te dises que tout va bien se passer. C'est quand même fou, la force du cerveau, quoi. La force de l'esprit. Laetitia, elle est venue 4 fois aux urgences. Quoi. 4 fois. Parce qu'elle avait mal. Et 4 fois, on lui a dit qu'elle n'avait rien. Rien. Tu n'as rien. Du point de vue anatomo-physiopathologique, c'est totalement exact. C'est-à-dire que, effectivement, son muscle cardiaque ne souffrait d'aucune lésion. Mais Laetitia, elle avait vraiment mal, quoi. Et Laetitia, elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie qu'on lui dise juste « tu n'as rien », quoi. Pour certains, la blouse blanche aurait fait l'effet, quoi. « Tu n'as rien, ah ok ». Laetitia, non. Ici, elle avait vraiment mal. Elle a envie qu'on reconnaisse qu'elle avait mal. Il a fallu 5 fois avant qu'un médecin ose prendre 5 minutes pour lui expliquer qu'elle était capable de mimer cette douleur. 5 fois. Et qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que c'est, la santé? Est-ce que ça va? Ouais, et toi? Ouais, moi, ça va. La maladie. Oui, allô, oui. Oui, bonjour, ouais, je me sens pas bien ce matin, donc je voulais vous prévenir, je viendrai pas au travail ce matin. Des phrases qu'on a tous entendues, qu'on a peut-être tous prononcées. Mais quand arrive la maladie grave ou la maladie longue durée, pour nous ou pour un proche, alors là, c'est plus la même chose, quoi. Là, ça remet tout en jeu. Parce que quand arrive la maladie grave, alors on est face à notre déterminisme. Et oui, on va bien mourir un jour. Ah zut, je l'avais oublié. Et oui, on va bien mourir un jour. Et donc la maladie grave ou la maladie longue durée, elle nous met en rapport avec nos joies, nos peines, avec nos remords, avec nos regrets, avec ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, avec ce qu'on aimerait encore faire, avec ce qu'on espère encore faire. Est-ce que j'aurai encore le temps de faire ça? Et la maladie pour le patient, pour l'homme allongé sur le lit malade, c'est ça, quoi. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait tous? Quand on est malade, eh ben, on court vers là où la société nous a dit qu'il fallait aller si on était malade. On court voir le médecin. On court voir le médecin. Et la médecine occidentale, pour elle, la maladie, c'est ça. Diagnostic, pronostic, traitement, suivi, complication, examen complémentaire. Et on est content quand on lui dit qu'on est réellement malade, même si c'est un mot en latin, même si on n'y comprend rien. Mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des gens qui souffrent et qui ont besoin qu'on les accompagne. L'homme... Je voudrais vous lire, si vous le permettez, un extrait d'un texte que j'ai jamais compris. Je suis désolé d'avance. Le cancer est comme la figure marchée, crochue et ravageuse de l'intrus. Étranger à moi-même et moi-même m'étrangeant, je finis par n'être plus qu'un fil tenu de douleur en douleur et d'étrangeté en étrangeté. On en vient à une certaine continuité dans les intrusions, à un régime permanent de l'intrusion. Ce sentiment général de n'être plus dissociable d'un réseau de mesures, d'observations, de connexions chimiques, institutionnelles, symboliques, qui ne se laissent pas ignorer comme celles dont est toujours tissée la vie ordinaire, mais qui, tout au contraire, tiennent expressément la vie sans cesse avertie de leur présence et de leur surveillance, je deviens indissociable d'une dissociation polymorphe. Eh bien, pour Jean-Luc Nancy, qui écrit ce texte, pour Jean-Luc Nancy, c'est ça son cancer. C'est pas ça, c'est ça. Voilà la façon dont Jean-Luc Nancy vit son cancer. Ça n'a rien à voir avec ça. Des proches, plus cancéreux que moi, tumeur. Rire de sa maladie pour des proches, c'est une façon. C'est une façon de vivre sa maladie. Ça n'a rien à voir avec ça. Eric Zorn. La question du cancer se présente pour moi d'une double manière.
D'une part, c'est une maladie du corps dont il est bien probable que je mourrai prochainement. Mais peut-être puis-je aussi la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'après ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai faite, c'est d'attraper le cancer. La symbolique du cancer pour Eric Zorn, c'est ça. C'est pas ça. Et ce corps-là, qui nous fait faubon, ce corps qui va être détraqué, lavé, pansé, mutilé, ausculté, violenté, transgressé, offensé, pénétré, modifié, médicamenté, subissant effets secondaires et transformations incalculables, ce corps, c'est aussi ce qui est encore. C'est aussi ce qui permet de se projeter. C'est je souffre, donc je suis. Et peut-être alors, je souffre, donc je serai. Et être soignant, c'est ça. C'est accompagner ça. Accompagner le je souffre, donc je suis, en je souffre, donc je serai. Parce que là, il n'y a pas seulement un homme qui vient livrer son corps à la technique médicale. Non, cet homme-là, il fait un appel. Il fait un appel, pas aux soignants, il fait un appel à l'humanité qu'il investit dans ce soignant. Et cet appel, c'est aide-moi, aide-moi. Aide-moi à comprendre pourquoi, pourquoi moi, pourquoi maintenant et après. Et soigner, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ça. Soigner, c'est être responsable de ça. Pas une responsabilité scientifique ou une responsabilité juridique, qui sont d'autres responsabilités qui sont aussi importantes. Mais moi, je parle d'une responsabilité supérieure. La responsabilité du soignant, la responsabilité de devoir répondre à l'appel de l'autre. Devoir répondre à cet appel. Et j'ai vu tellement de patients, tellement de petites vieilles dans des lieux où des fois elles pouvaient même plus parler, elles pouvaient même plus s'exprimer. Et moi j'ai regardé derrière leur masque et des fois vous savez ces yeux là, ces yeux qui vous percent, qui vous transpercent la tête quoi, et qui vous disent mais ça sert à quoi? Aide-moi. Et vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Et on ne vous en donne pas les moyens, en tout cas. Et, excusez-moi. Et nous, on nous apprend à nous barricader à ça. On nous apprend à vivre ça comme si c'était normal, quoi. Comme si, en tant que soignant, on était capable de passer sa journée à voir la souffrance, la misère, la douleur des gens, sans que ça nous atteigne, quoi. Mais c'est quelque chose de bête à un point. Sur 18 mois, il y a eu 23 suicides chez France Télécom sur 106 000 salariés. Qui en a entendu parler? Levez la main. Ok. Sur la même période, 60 médecins ont mis fin à leur jour sur 200 000 professionnels. Qui en a entendu parler? Voilà. Bah ouais, des soignants qui se suicident, ça fait pas très propre. En janvier, il y a 4 soignants. Je crois qu'il y avait 2 aides-soignantes et 2 assistants de service hospitalier qui se sont suicidés. Qui sont suicidés dans le même mois. Et on a regardé, et ces 4 soignants, bizarrement, travaillaient dans le même service du même hôpital. Et ils vont diligenter une enquête pour savoir s'il y aurait un lien entre leur suicide et le service dans lequel ils travaillaient. Je pense qu'il faut mettre Sherlock Holmes sur un truc comme ça. Et voilà. Et moi, on m'a appris à faire ça. En tout cas, on a voulu que j'apprenne à faire ça. Et donc, la maltraitance, toutes ces choses-là, c'est pour la plupart du temps, c'est pas des gens de mauvaise intention. Bien sûr, il y en a partout. Mais la plupart du temps, c'est cette privation de notre bon sens, c'est cette privation de notre possibilité d'avoir du temps, d'avoir de l'espace, d'avoir une équipe pour soigner. C'est ça qu'on nous a ôté. Alors pourquoi on nous l'a ôté? J'aimerais en venir là. Parce que j'aimerais vous expliquer quelque chose que j'ai compris un peu tard. Mais
qui maintenant me saute aux yeux, c'est que, messieurs, dames, je suis désolé de vous annoncer qu'on a la médecin et la médecine qu'on mérite. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bonjour. Je vous avais manqué. Je suis sûr un peu quand même. Ça fait 4 jours que je suis parti. Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments. 50 centimes. Qui va oser me dire que compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois. J'ai trouvé qu'il y avait une patiente qui avait consulté 75 médecins en un mois. Je ne sais pas si c'était plus fatigant pour elle que pour les médecins. Mais il y a un côté déprimant. Remarquez, elle avait acheté 12 boîtes d'anxiolytiques par jour. Je reviens sur mon jugement, c'est les médecins qui étaient les plus énervés. La question de la franchise est pour moi une chose incontournable, parce que c'est la seule façon de responsabiliser les patients. Quand notre bien-aimé ex-président de la République, ça fait du bien. Ouais. Un peu facile, mais bon, il faut se faire du bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement obnubilés par le fait d'avoir viré Sarko qu'ils pensent réellement qu'on va avoir un gouvernement de gauche. Elle est limite, celle-là. Alors, quand Sarkozy énonce ce discours, juste après son investiture, qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait, ils ont un gros problème à droite. C'est que le Conseil National de la Résistance, ok, c'est les communistes, mais c'est aussi pas mal les gaullistes, ensemble, qui ont fait ce programme de sécurité sociale. Et le problème, c'est que l'UMP se revendique de De Gaulle. Alors comment faire en sorte de détruire quelque chose que De Gaulle a construit sans le montrer? Et là, ils font un tour de passe-passe génial. C'est quoi le tour de passe-passe? C'est-à-dire qu'ils disent que De Gaulle, il avait des vrais malades. En 1946, il y avait des vrais malades, et donc c'est logique que De Gaulle ait mis en place la sécurité sociale parce qu'il avait à faire face à des vrais malades. Mais aujourd'hui, on n'a plus à faire face à des vrais malades. On a fait face à des consommateurs de soins au comportement irrationnel. Et le glissement sémantique est énorme. Parce que c'est ça qu'on entend depuis 10 ans. On a face à des consommateurs de soins au comportement irrationnel. Moi, ce qui me rend fou, c'est les gens qui lui ont écrit ce discours. Parce que... Il y en a, enfin, on va pas sombrer dans l'angélisme, quoi. Évidemment, il y a des gens qui truandent la sécu. Ils sont hyper minoritaires, mais évidemment, il y en a. Ben, ils ont réussi à lui pondre, mais pas l'histoire de quelqu'un qui truande la sécu. C'est l'histoire d'une pauvre vieille dame qui est malade, quoi. Elle est allée voir 75 médecins en un mois. Elle n'est pas en train de faire du trafic d'anxiolytiques. C'est une femme qui est malade. Il faut l'aider. Il y a un dysfonctionnement tel dans notre système de santé que personne ne s'en est rendu compte avant qu'elle aille voir le 75e médecin. Mais elle est malade, elle est en train d'appeler à l'aide. Ils ont réussi à prendre ça, quoi. Enfin bon. Et donc il continue. Il dit, nous parlons d'assurance maladie, a-t-on déjà vu une assurance sans franchise? Si les dépenses augmentent et que le déficit augmente, alors on devra augmenter la franchise. Si les dépenses d'assurance maladie diminuent et donc que le déficit diminue, on pourra alors, à la suite d'un débat parlementaire, baisser le montant de la franchise. Sauf que 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'ils disent dans un nouveau discours? Il me semble que l'objectif ne peut pas être de dépenser moins en matière de santé. C'est un combat politique que je suis prêt à mener. Je ne vois pas pourquoi on se réjouirait de dépenser plus pour nos loisirs et qu'on n'accepterait pas de dépenser plus pour notre santé. C'est un choix politique incontournable. Et donc c'est le rêve du néolibéralisme. C'est-à-dire que la santé, l'éducation, soit au même titre que la bagnole ou notre abonnement à Internet. Et à partir de ce moment où on va réussir à sortir d'une économie socialisée, alors il n'y a plus de problème à ce que ça augmente. Il n'y a plus de problème. Ça fera des sous pour le privé. Et
Et donc, je voulais en venir où avec tout ça. Et donc, oui, on va faire plein de trucs comme ça, quoi. Vous voyez, depuis les 20 dernières années, donc les deux remboursements de certains médicaments, le forfait hospitalier, le ticket modérateur, qui existait déjà depuis le début, la participation financière à la consultation, la franchise médicale sur les médicaments, sur le transport. Voilà, on va faire des trucs comme ça. Et voilà, et on se retrouve, parce que s'il faut des histoires pour pouvoir faire des lois, on en a plein des histoires. J'ai tenu une histoire à la radio d'une femme qui était obligée d'aller à l'hôpital à pied alors qu'elle était en arythmie cardiaque, quoi. Mais parce qu'elle pouvait pas avancer l'argent pour les transports. Voilà, bon, des histoires comme ça, on en a plein. Moi aussi, je peux faire des lois avec des histoires. Et ça, il faut bien que vous vous rendez compte que c'est des impôts injustes. Mais pourquoi ils sont injustes ? Pas juste dire que tous les impôts sont injustes, c'est pas vrai. Mais pourquoi ils sont injustes ? Parce que déjà, vous êtes malade, et en plus, vous allez payer. Vous allez payer en tant que malade. Ça, c'est des taxes que vous payez que si vous êtes malade. Donc voilà pourquoi c'est des impôts complètement injustes. C'est l'idée de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, c'était pas ça. C'est je cotise selon mes moyens, et à un moment, je suis soigné selon mes besoins. Voilà, tout ça va à l'encontre de l'idée même d'assurance maladie. L'assurance maladie, le trou de la sécu. Putain, ils nous font chier avec ça. Le trou de la sécu. Alors, on va faire simple. L'assurance maladie. Est-ce que vous savez quels sont nos trois gros postes de dépenses d'assurance maladie ? Allez, le premier. Là ? L'hôpital. L'hôpital, voilà. L'hôpital et les cliniques privées qui sont aussi remboursées par la sécu. Selon le barème de la Sécu. Ça, c'est remboursé par notre Sécu, elle sert à ça. Notre assurance maladie, pardon, sert à ça. Deuxième poste. Les médicaments. Bon, vous allez à la pharmacie, ou à l'hôpital, on vous donne des médicaments. Une partie, en tout cas, est remboursée par l'assurance maladie. Troisième poste. La médecine de ville, les soignants libéraux, les infirmières libérales, quand elles viennent chez vous ou quand vous allez au cabinet, vous payez, mais vous êtes remboursé, en tout cas, une partie par l'assurance maladie. Voilà les trois gros postes de dépenses de l'assurance maladie. Alors, est-ce que vous connaissez les trois gros postes de recettes de notre assurance maladie ? L'emploi. L'emploi, par quel biais ? Les cotisations. Patronales et salariales, je vous rappelle que c'est les mêmes. Hein, c'est vous qui travaillez, hein, vous ne faites pas avoir. Donc c'est vos cotisations. Hein. C'est pas le patron qui est gentil. Hein. Les charges sociales. Ça, c'est une partie. Cotisation sociale, pardon, excusez-moi. Pas de charge, il n'y a pas de charge. C'est un truc bien. Deuxième poste, la CSG, qui est la contribution sociale généralisée sur à peu près tous les revenus. On verra après. Et la troisième poste de recette, le plus important, les taxes. Les taxes sur tous les actes de nos vies qui sont contraires à la santé, paraît-il. Donc fumer, le tabac, l'alcool, voilà, des taxes qui doivent rentrer dans le compte de l'assurance maladie. Alors, regardez, le trou de la sécu, c'est quoi ? Ça fait 10 ans qu'on nous dit, ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'il y a un trou de la sécu. Si on regarde les 10 dernières années, par exemple, en 2010, l'assurance maladie a perdu 10 milliards d'euros. Si on regarde sur 10 ans, la moyenne est environ de 6 milliards d'euros. Et c'est pas un truc qui monte. Hein. Si vous regardez les chiffres, vous pouvez les regarder. Moi, je suis allé les chercher sur Internet. Vous allez sur le site de la Sécu, vous trouvez tout. Et au moins, c'est transparent. Il suffit de chercher. C'est un peu long, un peu fastidieux. Mais... Et donc, voilà, ça monte, ça descend. Voilà. Mais c'est, en moyenne, sur les 10 dernières années, 6 milliards. Eh bien, regardez bien. Sur les cotisations. Eh bien, tiens, il y a des entreprises, bizarrement, pas mal d'entreprises du CAC 40, qui sont exonérés de payer leurs impôts en France, notamment Total ne paye pas d'impôts en France. C'est une perte directe de 2 milliards d'euros pour l'assurance maladie. Ensuite, il y a des entreprises qui décident de jouer au bras de fer et de dire « Moi, je ne paierai pas. Et si vous me faites payer, je licencie tout le monde, donc il vaut mieux que vous ne me fassiez pas payer. Voilà. » Ben ça, c'est une perte directe de 2 milliards par an pour l'assurance maladie. La contribution sociale généralisée. La contribution sociale généralisée, si elle était du même ordre sur les revenus du travail que sur les revenus financiers, on gagnerait 3 milliards par an. Et c'est pas un grand communiste qui l'a dit, hein. C'est Philippe Séguin. Philippe Séguin, quoi, qui a juste montré ça, quoi. Alors par contre, après, si vous allez dans les grands communistes, hein,
et que vous prenez et que vous vous dites que le travail devrait, enfin que les revenus financiers devraient être taxés sur ces deux globes là de la même façon que le travail, ce qui serait pour moi logique, là c'est plus de 20 milliards. Et la troisième chose, les taxes. Les taxes, c'est très intéressant parce que c'est le seul. Vous savez qu'on a des caisses d'assurance maladie qui sont indépendantes de l'État, et cet argent là il rentre directement dans les caisses de l'assurance maladie. Les taxes, non, parce que c'est l'État qui prélève les taxes et qui doit les reverser à l'assurance maladie. Eh bien, en moyenne, l'État oublie de reverser 4 milliards d'euros par an à l'assurance maladie, en moyenne. Et si vous allez chercher les chiffres de 2007 sur le site, vous verrez que l'État a oublié de reverser 13 milliards d'euros à la sécurité sociale en entier. 13 milliards de taxes qu'elle n'a pas reversées. Ce qui sert à construire des Airbus avec des piscines. Et... Ce que je suis en train de vous dire, après on peut jouer sur les chiffres, on peut en discuter, tout ça. Je veux juste vous expliquer quelque chose. C'est, il n'y a pas de trou de la sécu. C'est aussi bête de parler de trou de la sécu que de dire qu'avec cet argent, il y aurait que la sécu serait bénéficiaire. Ça ne veut rien dire qu'elle soit déficitaire ou bénéficiaire. C'est un choix politique. Soit on choisit de mettre assez de recettes pour contrebalancer nos dépenses, dans ce cas-là, on est à l'équilibre. Soit on décide de ne pas assez en mettre, ou de ne pas lui rendre tout l'argent qu'on devrait lui donner, et dans ce cas-là, ouais, il y a un trou. Mais c'est un choix politique. C'est pas quelque chose, voilà. On peut choisir que ça soit à l'équilibre, si on a envie. Donc après, c'est des batailles politiques. Mais nous, on essaie de nous faire croire que c'est normal, que c'est logique, qu'on a tout essayé, et que de toute façon, notre sécurité sociale, elle va s'effondrer. C'est le discours qu'on entend depuis 10 ans, quoi. Eh ben non. Alors bizarrement, on rajoute pas de l'argent là-dedans, et pourtant on essaye de... Ça par contre, ça, on essaye de réduire les dépenses. Ça, on nous a bien fait comprendre qu'il fallait réduire les dépenses, quoi. Alors déjà, sur la médecine libérale et tout ça, et sur l'hôpital et tout ça, on a réduit les dépenses, quoi. On fait payer à la charge du malade une partie de ce qu'on remboursait avant. Et puis on a réduit les dépenses un peu plus drastiquement à l'hôpital. À l'hôpital... Le nombre de postes équivalents temps plein a chuté de près de 10 000 en 2009, dont près de 5 000 personnels soignants. 1 700 postes en 2 ans pour les hôpitaux de Paris sur 12 groupes hospitaliers. 1 700 postes de soignants ont été supprimés en 2 ans sur 12 groupes hospitaliers. Je vais vous donner une anecdote, ça sera peut-être plus clair pour vous. J'ai été infirmier dans une EHPAD à Paris. Une EHPAD, c'est une maison de retraite. J'étais le seul infirmier pour 72 patients, répartis sur 5 étages. Mon boulot, c'était d'arriver le matin, de prendre mon chariot, de charger les médicaments pour tous les patients, et je commençais à courir. Je courais dans le premier étage, et au premier étage, ça allait encore, parce que je commençais la distribution à 5h30 du matin, et les patients dormaient encore. Et donc, je pouvais rentrer tout doucement dans la chambre, poser les médicaments et me tirer. Mais arrivé au milieu du deuxième étage, ou à la fin du deuxième étage, les patients commençaient à se réveiller. Et les petits vieux et les petites vieilles qui se réveillaient, ils avaient envie de causer. Ils avaient envie de dire que leur fils était venu hier et qu'il allait bien. Que peut-être leur fille allait passer demain. Qu'ils étaient patraques aujourd'hui et tout ça. Et je n'avais pas le temps de les écouter. Si je voulais arriver en haut, distribuer les derniers médicaments, redescendre, recharger mon chariot pour qu'il soit prêt pour l'heure de midi pour la deuxième distribution, je n'avais pas le temps de les écouter. Et donc je me forçais à sortir des chambres et des fois à faire semblant de ne pas entendre qu'ils me disaient quelque chose. Des fois, j'ai eu des patients qui me suivaient dans les couloirs pour me parler. Voilà. J'ai fait mal à des gens et je me suis fait mal pour des raisons économiques liées à la santé. Alors par contre, bizarrement, il y a un poste de dépense sur lequel on n'intervient pas souvent, quoi. C'est les médicaments. Avant de parler des médicaments, je voudrais juste vous dire un truc. On nous dit qu'il faut réduire les dépenses, mais il faut que vous sachiez quelque chose. On peut réduire les dépenses, je ne suis pas contre. Il faut réfléchir à quelles dépenses on réduit, mais on peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais elle empêchera le déficit du trou de la sécu. Si, voilà. Juste ça ne peut pas équilibrer ça. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que les gens qui équilibrent les dépenses sont des gens qui ne comprennent rien. Rien à ce que c'est le soin porté à l'autre allongé sur un lit. Pour vous donner un exemple flagrant, la directrice des hôpitaux de Paris, c'est l'ancienne directrice de la FNAC. Voilà. Et je dis que ça. Au moins, c'est clair. Donc, c'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour petit à petit passer la main au privé sans que vous vous en rendiez compte. Pour vous, la plupart d'entre vous ici, vous avez l'impression d'être toujours remboursé
à peu près pareil, quoi. Sauf que vous n'êtes peut-être pas rendu compte, certains peut-être oui, qu'en 6 ans, votre mutuelle, elle a augmenté de 36%. Voilà. 36% en 6 ans, votre mutuelle, elle a augmenté. Alors imaginez ceux qui n'ont pas de mutuelle. Et donc les médicaments. Les médicaments. En France, on donne 38 doses de médicaments pour 1000 habitants et par an. 38 doses pour 1000 habitants et par an. Prenons un pays comme les Pays-Bas, où ils ont à peu près la même espérance de vie que nous, hein. Même la même. Combien, à votre avis, on va jouer au juste prix, combien aux Pays-Bas on donne, ceux qui savent se taisent, combien aux Pays-Bas on donne de doses de médicaments pour 1000 habitants et par an? Moins. 17 moins. 10 un peu moins. 5. Plus. 8. 9. Tiens, ils donnent 9 doses de médicaments pour 1000 habitants et par an, et ils sont pas plus malades que nous. En France, ils sont drogués, j'ai entendu. C'est possible, c'est possible. En France, 90% des consultations finissent par la délivrance d'une ordonnance avec des médicaments. Je suis sûr qu'ici, si vous n'êtes pas médecin et que vous êtes patient, ça ne vous viendrait même pas à l'esprit de sortir de chez votre médecin sans avoir une feuille d'ordonnance, quoi. Enfin, vous allez sortir votre chéquier. Vous allez sortir votre chéquier à partir du moment où on vous donne votre feuille d'ordonnance, quoi. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Est-ce que vous savez combien de consultations finissent par la délivrance d'une ordonnance avec des médicaments en Pays-Bas? 30%. Un peu plus. 45. Moins d'une consultation sur deux aux Pays-Bas finit par la délivrance de médicaments par rapport à une consultation. Et ouais. Ah ouais, on en bouffe en France des médicaments, quoi. Alors c'est la faute de qui? Il y en a des qui disent c'est la faute des patients qui demandent tout le temps. Il y en a qui disent c'est la faute des médecins qui distribuent. Et puis on regarde les points de vue économiques et puis on se rend compte que dans les années 60, bizarrement, la France a passé avec les laboratoires pharmaceutiques des contrats qui s'appellent explicitement les contrats prix-volume. Prix-volume, c'est-à-dire qu'ils ont, il y avait un retard de la France sur la santé de sa population. Et donc elle a décidé qu'elle allait passer des contrats prix-volume. Donc encore en France, il y a des traces de ça. C'est-à-dire encore aujourd'hui, si vous prenez votre même boîte de médicaments, vous l'achetez en France, elle sera un peu moins chère qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas. Mais vous allez devoir en bouffer, quoi. Vous allez devoir en bouffer. Ouais. Et ça, c'est fou, quoi. Il n'y a pas un seul cours d'économie de la santé donné aux étudiants en santé, quoi. Et vous comprenez très bien pourquoi. C'est-à-dire un médecin qui est resté dans ses bouquins, dans ses dogmes, là, qui n'a pas réfléchi un peu à autre chose, eh bien, lui, quand il fait sa liste d'ordonnances, il est persuadé de bien soigner. Parce qu'on lui a appris que c'était ça, quoi. On lui a dit que c'était les médicaments qu'il devait prescrire. Il est persuadé de faire son boulot. Alors si on leur apprenait qu'effectivement, c'est peut-être pas leur boulot qu'ils font, ou alors que c'est peut-être pas bien soigné de distribuer 18 médicaments pour chaque consultation. Ah ouais, zut. Ah, mais comment on fait maintenant, quoi? Comment on fait? Alors puis il y a aussi un autre poste de dépense où on peut gagner beaucoup d'argent grâce aux médicaments, c'est les laboratoires pharmaceutiques, quoi. Parce que les laboratoires pharmaceutiques, ils pèsent, le premier laboratoire pharmaceutique, c'est Pfizer-Verse, pèse 75 milliards de dollars, Merck 47 milliards, Hoffmann 43 milliards, Sanofi 5e, la France, Cocorico 34 milliards, le 14e Boehringer pèse encore 11 milliards. Le marché de l'industrie pharmaceutique, c'est un marché où quand vous investissez 1 euro, en moyenne, vous récoltez 30 euros. Il n'y a pas une industrie au monde qui est aussi rentable que l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et c'est des gens qui vont vous vendre. Ils vendent des pilules. Ils ne sont pas là pour le bien commun. Ils vendent des pilules. Ils mettent pour mettre une pilule sur le marché, ils demandent une autorisation de mise sur le marché. Ils ne demandent pas une autorisation de faire du bien à la santé du monde. C'est une autorisation de mise sur le marché. On n'arrête pas de vous répéter que la santé fait constamment des progrès extraordinaires en termes de thérapeutiques et que c'est pour ça que ça coûte de plus en plus cher, que ça coûte de plus en plus cher. Et là, on vous leurre. C'est faux. Il y a des psychiatres qui vous diront qu'on n'a pas inventé une pilule intéressante pour la psychiatrie depuis les années 70. Et qui vous disent, c'est pas grave, quoi. Les médicaments, c'est un outil, mais on en a plein d'autres. Alors, c'est pas tous les psychiatres qui disent ça, malheureusement. C'est pas tous les psychiatres qui disent ça, mais il y en a qui disent ça. Il y a 1024 médicaments qui sont sortis... 1092, pardon. Il y a 1092 médicaments lancés entre 2000 et 2005 en France qui avaient une classe 3 ou 4. Ça veut dire qu'ils étaient moins intéressants que des médicaments déjà existants
ou égal. Mais en tout cas, aucun apport thérapeutique, quoi. Eh bien, sur ces 1092, je vous assure que l'assurance maladie, elle en rembourse une bonne partie. Et puis on... Je sais pas, je prends par exemple l'exemple du Plavix, parce qu'il est marquant. Le Plavix, c'est un médicament. C'est un... Je sais plus comment on dit. C'est un blockbuster. Blockbuster pharmaceutique, c'est-à-dire ces médicaments qui font mouche, quoi. Il a été lancé aujourd'hui, ce médicament. Je crois que c'est le deuxième médicament qui rapporte le plus d'argent au monde. C'est un médicament de chez nous, la France, Cocorico. Et voilà. Et ce médicament, il n'y a aucune recherche scientifique qui prouve qu'il a un intérêt meilleur qu'un autre médicament qui coûte 27 fois moins cher que le Plavix et qui s'appelle l'aspirine. Aucun. Eh bien, je vous assure que dans le bouquin rouge, celui-là, c'est le violet, psychiatrie, pédopsychiatrie, mais le bouquin rouge, qui s'appelle cardiologie, dedans, il y a écrit qu'il faut que vous prescriviez du Plavix. Il y a écrit le nom Plavix avec un petit R à côté. Et il y a écrit que c'est une conférence de consensus qui vous dit qu'il faut distribuer du Plavix. Voilà. Alors, quand vous êtes étudiant, ben voilà, vous distribuez du Plavix, quoi. Donc, ouais, là, il y a beaucoup d'argent à se faire. Mais ce qui me choque, c'est que en France, on dépense 3 696 $ par habitant et par an pour la santé. C'est moins qu'en Allemagne, c'est moins qu'aux Pays-Bas, c'est moins qu'en Suisse, c'est deux fois moins qu'aux États-Unis. En France, seulement 4% de notre budget de la santé sert à l'administration de notre système de santé. C'est moins qu'en Allemagne, c'est moins qu'aux Pays-Bas, c'est quatre fois moins qu'aux États-Unis. Bah ouais, quand on est un marché concurrentiel et qu'on doit faire de la pub, ça commence à coûter cher. Alors pourquoi ce système, qui est qualifié par l'Organisation mondiale de la santé en 2000 du meilleur système au monde, en tout cas le moins inégalitaire. Pourquoi ce système, où encore en France à peu près aujourd'hui, s'il commence à y avoir d'autres cas qui viennent, et c'est pour ça qu'il faut se battre, mais à peu près aujourd'hui, si quelqu'un arrive en crevant devant l'hôpital, eh bien il est soigné avant qu'on ouvre sa poche pour regarder s'il a une carte dans sa poche. Pourquoi ce système-là, qui marche si bien, on veut nous le détruire? J'ai essayé de comprendre ça, et ça va être juste le dernier point. Le dernier point, je vais essayer de vous expliquer, à mon avis, pourquoi on essaye et pourquoi on est responsable de ça tous, et pas seulement les médecins et les soignants. On est responsable de ça. Ah, Pépé, je t'avais oublié. Pépé, t'as soif? Tiens, j'ai de l'eau gélifiée. Ça va? Ah oui, il fait chaud, hein. Fait chaud, bah ouais, c'est l'été qui arrive. Hein. Ouais, le 29 août en Bretagne, ouais, c'est pas trop tôt. Ouais. Ok. Ah, le match de foot. Ouais, je reviens. Monsieur, dame, mesdames et messieurs. On essaie de nous détruire, tout ça, parce que nous tous, on a accepté de jouer à un jeu. On a accepté de jouer à un jeu, et on a accepté de s'asseoir à table. Voyez-vous, dans une économie capitaliste libérale, la table, c'est le marché, c'est le monde, et c'est le marché. Dans une économie néolibérale, à quoi sert un État? Un État ne doit servir à rien. Il ne doit en rien contraindre le marché, il doit servir qu'à une seule chose. Il doit s'assurer, par exemple, on va dire que le jeu auquel on joue, c'est le poker. Il doit s'assurer qu'on joue bien au poker et il doit arbitrer les différends entre les joueurs. Mais sinon, c'est le croupier, en fait. L'État, c'est le croupier. Et nous, on va jouer. On nous a donné des cartes et nous, on s'est fait avoir et on s'est dit, ah ben si, on jouait. Alors, on a des cartes et on a un capital, c'est des jetons. Et ces jetons, on a le droit de les miser. On est obligé de les miser, on est obligé de s'asseoir à table et de miser nos jetons. En échange de quoi, on a une chance d'augmenter notre tas de jetons. Et comme on a vu ça, nous on s'est tous fait avoir, on s'est assis. On s'est assis, on a joué, on a pris nos jetons, on a commencé à jouer. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui n'a plus de jetons, qui ne peut plus jouer? Eh bien dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, seulement s'il n'a plus aucun jeton, alors il sera mis là. Et seulement s'il n'a plus de jetons, alors on fera quelque chose pour lui. On lui donnera le RSA, on lui donnera la CMU, la couverture maladie universelle, seulement s'il n'est plus capable de jouer. Voilà.
On vit dans une société qui divise le monde en deux parties, deux catégories de gens. Les gens qui sont en jeu et les gens qui sont hors jeu. Pour les gens qui sont en jeu, on a envie d'une chose, c'est-à-dire de qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. Et donc c'est ce qu'on essaye, on est en train d'essayer de faire en France, c'est-à-dire que si moi je suis assis à la table, je vois pas pourquoi je paierais des impôts ou des taxes ou de la sécu pour des gens qui sont pas moi. Donc moi j'ai le droit avec mes jetons de décider que je me paye une assurance privée pour ma maladie, je me paye une assurance privée pour ma retraite. J'ai le droit aussi de décider si je veux prendre le risque, que je suis jeune en bonne santé et donc que pour l'instant je ne veux pas prendre d'assurance maladie. Voilà, j'ai le droit individuel de faire ça. C'est ça. Et par contre, si on n'a plus de jetons, alors oui, à ce moment-là, on va être aidé. Et donc, on vit dans une société, parce qu'on a accepté de jouer à ce jeu-là, qui divise le monde en deux parties. Les gens qui sont en jeu et les gens qui sont hors jeu. On les appelle plus fréquemment les non-assistés et les assistés. Mais vous voyez bien que c'est une création politique. Sociologiquement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas des gens dans notre société qui sont plus ou moins assistés que d'autres. Mais nous, on a décidé de diviser ces deux choses-là. Et Foucault appelle ces choses-là, le RSA, le RSA, l'ancien nouveau RMI, la couverture mutuelle universelle, il appelle ça des impôts négatifs. Et il dit qu'il faut lutter contre ces impôts négatifs, parce qu'il dit que ces impôts négatifs tissent des toiles énormes dans notre société et qu'ils nous empêchent de penser. Il dit qu'aujourd'hui, avec ces impôts négatifs, on ne se bat plus pour des problèmes de classe ou pour des problèmes d'écart de salaire. On se bat que pour la faiblesse des minima sociaux. Et donc il explique que on doit être capable de faire l'équilibriste. C'est-à-dire qu'on doit être capable en un temps, effectivement, de lutter pour donner la CMU, le RSA à un maximum de gens et augmenter ses revenus, ouais. Mais idéologiquement, on doit être contre. On ne veut pas de la couverture mutuelle universelle, non. On veut d'une grande caisse où tout le monde cotise selon ses moyens et est soigné selon ses besoins. On ne veut pas du revenu solidaire autonome pour ces gens-là, non. On veut tout le monde ensemble avec un revenu mutuel minimal d'autonomie donné à tout le monde et après les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Il faut lutter contre ces impôts négatifs. Déjà parce que voilà, ils divisent le monde en des assistés et des non-assistés. Déjà parce que sinon on va perdre notre sécu très très rapidement. Parce que quand les gens riches vont comprendre qu'ils peuvent, eux, choisir où ils mettent leurs gains au lieu d'aider ceux qui sont là-bas, et qu'ils peuvent juste leur filer quelques sous pour qu'ils aient le RSA, le RMI, ça va aller très vite. C'est en train d'aller très très vite. Notre système, il est en train d'être détruit à une vitesse mais monumentale. Mais au-delà de ça, pourquoi il ne faut pas accepter de jouer à cette table-là? Parce que, quelle idée de l'homme est prônée par ça? Qu'est-ce qu'on accepte, nous tous, puisqu'on a tous décidé de s'asseoir à cette table-là, qu'est-ce qu'on accepte quand on s'assoit à cette table? Qu'est-ce qu'on accepte comme idée de l'homme? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les néolibéraux? Le problème, il y avait le capitalisme. Il y avait le capitalisme libéral, John Adam Smith et tout ça, qui disait pour avoir un salaire, qui veut un salaire? S'il y a des gens qui ont besoin d'argent et qui veulent un salaire, eh bien, ils doivent vendre leur force de travail. Et puis, il y a un autre mec qui est passé par là et qui s'appelle Marx. Et Marx, il a détruit toute cette idée en disant, dès le départ, c'est faussé. Dès le départ, la société capitaliste est inégalitaire. Parce que, pourquoi? Parce que d'un côté, il y a ceux qui ont des champs et donc qui vont pouvoir faire travailler des gens dans des champs. Des usines, ils vont pouvoir faire travailler d'autres gens dans des usines. Et de l'autre côté, il y a les gens qui n'ont pas de capital de départ. Donc eux, ils vont être obligés de vendre leur force de travail. Et donc, ça va être inégalitaire. On va créer les travailleurs et ceux qui ont le capital. En gros, pour résumer très vite, hein. C'est ce que Marx s'est acharné à défendre. Et donc, il a dit ça, c'est inégalitaire, ça va pas. Et donc, quand les néolibéraux, des gens comme von Hayek, des gens comme ça, ont essayé de repenser l'idéologie du libéralisme et du capitalisme, ils se sont dit, comment on fait pour contrer ça? Comment on fait pour empêcher cette critique, qui est une bonne critique, qui est entendue, comment on fait pour la dépasser? Ben, ils se sont dit, si le salaire, c'est pas la force de travail, c'est pas la vente de sa force de travail, qu'est-ce que ça peut bien être? Ben, tiens, si on disait que le salaire, c'est un revenu comme un autre, c'est-à-dire le rendement d'un capital. Si en fait, qu'on ait une usine et qu'on fasse travailler des gens ou qu'on travaille directement à l'usine,
on est tous la même chose, un revenu, c'est-à-dire un rendement d'un capital. Alors oui, c'est pas con, comme vous allez dire, mais c'est quoi le capital du mec qui travaille à la chaîne ? Eh bien, c'est là où ils inventent un truc absolument formidable. Ils inventent le capital humain. Alors attention, hein, c'est pas notre capital humaniste qui est en nous. Hein. C'est nous en tant que machine, capables d'avoir un rendement qui nous est rendu sous forme de salaire. Le capital humain. Je suis une entreprise, à moi tout seul, je suis une entreprise, je me fends la gueule. Je suis un auto-entrepreneur. Je suis mon propre producteur, je suis ma propre source de revenus, avec ça je consomme et je produis ma propre satisfaction. Je fais des bilans, je fais des projets. Vous êtes des entreprises. Votre famille est une entreprise. Et si vous voulez être bon et que votre famille soit bonne au jeu du capital humain, alors oui, et surtout si vous vivez au centre de Paris, alors oui, va peut-être falloir que vous donniez des cours de chinois à votre fille qui est en CP. Parce qu'effectivement, si vous lui donnez des cours de chinois, alors elle aura des meilleures cartes pour s'asseoir à la table et pour jouer. Voilà. Et tous les liens sociaux sont repensés sous cet esprit du capital humain. C'est pas un jour un mec qui s'est levé et qui a dit « Tiens, si on devenait plus individualiste. » Non, c'est pas ça. C'est toute une société, tous les liens d'une société qui sont repensés en termes de capital humain. Quand on a prôné l'essor du Japon il y a 10 ans, quand on a dit que c'était merveilleux leur économie, il fallait voir ce que c'était les Japonais, quoi. Les Japonais, ils travaillaient toute la journée et le soir, ils prenaient des cours du soir pour augmenter leurs chances de gagner plus le jour d'après, quoi. Quand Guéno fait dire à Sarkozy, à Dakar, vous, les Africains, vous n'êtes pas assez rentrés dans l'histoire, vous répétez au fil des tam-tams vos saisons et tout ça, en plus d'être un discours absolument raciste, Mais en fait, c'est ça qu'il veut dire. Il dit aux Africains, mais vous, les Africains, vous pensez pas comme nous. Vous pensez pas à augmenter votre capital, vous pensez circulairement. Et tant que vous penserez pas comme ça, vous n'êtes pas vous plaindre d'être dans la merde, quoi. Vous n'êtes pas vous plaindre, parce que pour gagner de l'argent, faut s'asseoir à table. Voilà. Et toute notre vie est repensée là-dessus. Alors c'est quoi ? Parce que c'est là le point hyper important. C'est quoi une médecine ? C'est quoi une médecine dans une société du capital humain ? À quoi sert une médecine dans une société du capital humain ? La médecine, elle s'est pris de grandes claques dans les années 80 et 90. En 80, elle s'est pris le sida dans la gueule. Et en 90, elle s'est pris le cancer dans la gueule. Et donc, les théories de l'autre, là, Claude Bernard, comme quoi la médecine arriverait un jour à guérir tout et qu'on serait éternel, bon, ça, on commence, la médecine a fini par comprendre qu'elle n'y arriverait sûrement pas. Mais alors, à quoi peut servir la médecine dans une société du capital humain ? La médecine, elle va servir à une chose, messieurs, dames. À votre avis, qu'est-ce qui réunit dans notre société quelqu'un qui a perdu un bras, quelqu'un qui est sourd et quelqu'un qui est schizophrène ? Ils sont handicapés. On les appelle des handicapés. Ce qui réunit dans notre société ces trois personnes-là, c'est qu'on les appelle des handicapés. On est une société qui a décidé qu'on était découpé en compétences. Et après, cette société a décidé qu'il y avait des compétences qui étaient positives, et des compétences qui étaient négatives. Et les compétences négatives, elle les appelait handicap. Et donc, ce qui réunit effectivement le schizophrène, l'homme qui a perdu un bras et un sourd, c'est qu'ils sont handicapés. Ils sont handicapés de quoi ? Ils sont handicapés pour jouer au grand jeu, là. Ils ont moins de chances que les autres. C'est les compétences négatives par rapport au grand jeu, là. Ils ont des cartes moins bonnes. Alors, dans certaines sociétés un peu archaïques, on les laissera de côté. Dans des sociétés un peu plus modernes, on va mettre en place des dispositifs pour essayer qu'ils soient moins handicapés. Alors essayer de leur redonner des compétences positives. Et donc la médecine, elle sert à ça, monsieur. La société, la médecine repère et étiquette les compétences négatives. La médecine construit une réponse normalisée à cette question. Et enfin, la médecine donne accès à cette réponse. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez très bien. La société repère que quelqu'un qui est sourd dans notre société, c'est une compétence négative, il a un handicap sur le marché du travail. Alors elle demande à la médecine de comprendre si c'est une réponse normalisée, et la médecine construit une réponse normalisée qui est des petits appareils qui aujourd'hui sont de plus en plus performants pour résoudre tous les problèmes de surdité.
Et elle donne l'accès à cette réponse, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun en France d'être appareillé si vous avez un problème de surdité. OK. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passe ? Ben, y a toute une communauté de sourds qui refuse d'être appareillés. Parce qu'en fait, leur différence, ils la vivent bien. Parce qu'en fait, ils sont contents d'être différents. C'est pas qu'ils se trouvent mieux que les autres, c'est qu'ils sont contents de leur différence. Ils sont contents de cette façon qu'ils ont de vivre entre eux, de leur langage. Et là, la société, elle comprend pas, quoi. Mais merde, alors on vous a offert les trucs. La société, elle repère et elle étiquette. Toi, là-bas, oui, toi. Toi qui fais chier le monde, qui a 6 ans, qui se lève de sa chaise, qui hurle tout le temps et qui peut pas écouter pendant 8 heures le cours descendant d'une professeure, d'une institutrice d'école primaire, ben toi, on te repère et on t'étiquette et on t'appelle un hyperactif. Alors, on crée une réponse normalisée, elle s'appelle la Ritaline. Et on crée un accès à cette réponse, ben c'est un nouveau métier, la pédopsychiatrie de ville, en tout cas. La pédopsychiatrie de ville qui consiste à rendre heureux les parents et la maîtresse en donnant de la Ritaline à ce gamin, qui n'a pas le droit d'être différent. Vous avez ça fait 35 ans que vous vivez avec votre mari et votre mari meurt subitement. On vous repère et on vous étiquette, au début ça va, vous êtes en deuil, tout va bien. Mais par contre, si au bout de 2 mois et 1 jour, vous n'êtes pas remis au boulot, vous n'arrivez pas à vous remettre de ça, alors vous êtes dans un deuil pathologique. Un deuil pathologique, c'est écrit là-dedans. La réponse normalisée à un deuil pathologique, c'est le Prozac. Et l'accès à cette réponse, c'est le médecin et la formation du médecin qui va être formé à vous délivrer du Prozac si au bout de 2 mois et 1 jour, vous n'arrivez pas à remettre de la mort de la personne avec qui vous avez vécu pendant 35 ans. Alors vous allez me dire, la médecine, elle n'en est pas non plus encore là. Ça, c'est une question à trancher. Est-ce qu'on a déjà dépassé la ligne ? Est-ce qu'on ne l'a pas encore déjà dépassé ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, faire quelque chose, quoi. Il va falloir faire quelque chose parce que quand on parle de santé, il n'y a pas de droite et de gauche en santé. C'est votre santé. On est tellement inégaux face à la santé qu'on ne réfléchit plus. Quand l'Organisation mondiale de la santé décide qu'en 2008, ça va être l'année de la sécurité routière, donc c'est-à-dire quand on décide sous couvert de santé qu'on va placer des radars, qu'on va vous interdire de boire dans une voiture, voilà, on peut, citoyennement, on pourrait en discuter. Est-ce que faire de la répression en plaçant des radars, c'est bien, c'est pas bien ? On pourrait tous, en tant que citoyens, en discuter. Peut-être que la réponse est oui, peut-être que la réponse est non. Mais là on n'en discutera pas, parce que là, c'est pour votre santé. Alors, si c'est pour votre santé, alors... si c'est pour votre santé... Et donc, la médecine, elle devient une... Elle sait mieux que vous ce qui est bon pour vous et ce que vous devez faire, voilà. Vous êtes fumeur, la médecine sait que vous voulez arrêter de fumer, elle le sait. Vous êtes une femme adulte, la médecine sait que vous voulez un enfant. Et elle va faire en sorte que, quelle que soit votre pathologie, vous puissiez avoir un enfant. La seule qui résiste encore en France, c'est la femme qui aurait un problème d'utérus, puisque les mères porteuses sont encore interdites en France, mais qu'elles sont autorisées dans les autres pays. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal ou de bien. Je ne suis pas en train de juger sur le mal ou le bien. Je dis juste que vous n'avez pas réfléchi à ça et on vous a déjà apporté la technique. Vous êtes gros, vous voulez absolument maigrir. Qui voudrait rester gros dans notre société ? Vous êtes sédentaire, vous voulez absolument faire du sport. Vous êtes enceinte, vous voulez savoir. La probabilité que votre enfant à naître est un handicap pour jouer au jeu du capital humain. Alors aujourd'hui, le seul handicap légal, un des seuls qu'on peut dépister, c'est la trisomie 21. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, combien on pourra dépister de choses sur votre enfant ? Encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je dis juste que là, on est en train de nous dire que, en tout cas, ce n'est pas vous qui allez y réfléchir. Enfin, vous allez peut-être y réfléchir, mais ce n'est pas vous qui allez donner votre avis là-dessus. Vous êtes cancéreux, vous voulez vivre à tout prix. À tout prix. Voilà. Ah, vous avez un cancer, on va tout essayer. Parce que c'est pas possible que vous fassiez un autre choix. Voilà. Et donc voilà ce que fait notre médecine. Alors moi, messieurs, dames, moi je rêve que l'on arrête de penser l'homme en termes d'agrégat de compétences, mais en tant qu'être de qualité, organisme complexe et unique, dont le tout est plus que la somme des parties, dont la différence est vue comme une possibilité d'échange, une envie de rencontre et pas comme une faute. Je rêve de lieux où tout ce qui serait fait pour ces personnes-là, autour de la réappropriation de leur corps, tout ce qui aurait pu pour but de les aider à vivre avec de nouvelles normes,
serait autant indispensable que n'importe quel médicament. Que le soin intègre autant une dimension créatrice qu'une dimension réparatrice, et que dans cette vision, le soin devienne un moteur de réflexion sur un vivre ensemble, sur notre société. J'ai un ami médecin qui exerce au Framoisin et qui dit « Moi, je reçois des gens malades de la société, je vois beaucoup de malades des conditions de travail, je vois beaucoup de malades victimes de la pollution, ça, c'est mon quotidien. Mais moi, je rattache ça, évidemment, sur la cause des maladies. L'impact social, les choix de société, les choix politiques qui sont faits, effectivement, ont des traductions dans les maladies aujourd'hui des gens qui viennent consulter. Ajoute à cela toute la maladie du mal-être, tout l'état dépressif chronique, le stress, et tu as 70 ou 80% des gens qui consultent à mon cabinet. » Il y a dans ce constat d'un médecin généraliste, comme dans celui de tous les soignants qui sont en lutte, une vision. Une vision où le soin passe avant tout par la rencontre et la compréhension avant de passer par la connaissance. Et si on va pas vers ça, si on va pas beaucoup plus vite là, vers ça, alors notre système de santé sera toujours là pour servir la société dans laquelle on vit. Alors notre système de santé sera là pour distribuer des pilules au lieu de lutter contre les nouvelles organisations du travail qui détruisent les gens. Alors notre système de santé sera là pour vous dire de manger 4 et 5 fruits et des légumes bien emballés de pesticides au lieu de lutter contre l'agro-industrie qui détruit les vies des gens. Alors le système de santé sera là pour vous dire de vous laver les mains avec des produits miracles qui servent à enlever les bactéries pendant que dans le même temps elle fait passer une loi qui passe l'aide médicale d'État à 30 euros par an. L'aide médicale d'État qui est la seule aide qui permet aux sans-papiers de se soigner en France est passée à 30 euros par an en juillet dernier. C'est-à-dire qu'on a décidé politiquement aujourd'hui qu'en France, les sans-papiers n'auraient plus le droit de se soigner. Ce qui, au-delà de l'inhumanité que ça représente pour moi, est aussi un vrai problème de santé publique. Et vous n'avez qu'à regarder la recrudescence de pathologies comme la tuberculose en Seine-Saint-Denis ou à d'autres endroits. Mais par contre, si on intègre la complexité du soin, alors on intègre aussi son dynamisme. Parce que le soin est aussi là pour repérer ce qui ne va pas dans une société et par son action créatrice, en appeler à des changements. Voilà. En appeler à des changements. Moi, j'aurais pu vous parler pendant des heures de toutes les alternatives extraordinaires qui ont lieu, de toutes les luttes de soignants qui se passent en France. Et j'aurais pu vous en parler pendant des heures, mais le problème, c'est que vous vous seriez dit en sortant « Ah, bon, bah, y a des gens qui font pour nous. » Et moi, j'ai pas envie que vous disiez qu'il y a des gens qui font pour vous. J'ai pas envie de vous dire ça. J'ai envie que vous compreniez que c'est un enjeu sociétal, un enjeu de nous tous, et pas seulement des soignants. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté les mots d'un fou. Je suis content de vous avoir inventé un instant pour vous écouter les mots d'un fou enfermé dans sa cellule. Entre quatre murs, mais ces murs, c'est pas seulement mes murs, c'est aussi les vôtres, c'est les murs que l'on tisse et que l'on construit ensemble pour notre société. Alors moi, je veux qu'on monte une équipe et je veux qu'on repousse ces murs. Je veux qu'on pousse ces murs le plus loin possible, alors un peu pour ceux qui sont de l'autre côté du mur, c'est vrai, mais surtout pour nous. Surtout pour nous, pour nous laisser l'espace et la place de se rencontrer parce que l'avenir, c'est l'autre. La rencontre, même avec l'avenir, c'est la rencontre avec l'autre. Et l'autre en tant qu'il est différent, pas cet autre qui me ressemble tellement qu'il ne m'inquiète pas. Parce que oui, il va falloir retrouver le plaisir de douter, le bonheur d'être inquiet, et la conscience de notre mort. Ça, ouais, c'est des choses qu'il va falloir retrouver. Et donc, il va falloir se battre pour tout ça, parce que vivre ensemble, c'est aussi faire l'expérience de notre abandon, de notre souffrance ontologique avec des autres. Et voilà, je vous propose une vision un peu binaire du monde qui divise le monde en deux équipes. Il y a une équipe qui a décidé de soigner la différence, c'est-à-dire de gommer la différence. Et il y a une autre équipe. Une équipe qui a décidé de soigner avec la différence. Et le changement, c'est maintenant, il paraît. Mais en tout cas, le changement est là, quoi. Est-ce qu'on décide de gommer la différence ou est-ce qu'on décide de soigner avec la différence? Parce que, monsieur, dame, c'est... Moi, je peux pas supporter qu'en France, encore aujourd'hui, surtout en France, quatrième pays le plus riche au monde, eh ben, il y a des gens qui se gavent de foie gras pendant que d'autres doivent choisir
doivent choisir entre manger et soigner. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gens qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Tous ces embusqués, au lieu de se planquer, feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous nos camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. J'étais là, j'allais rentrer chez moi, mais j'arrivais pas à rentrer dans la chambre de Pépé pour lui dire qu'il allait pas voir son match, quoi. Je pouvais pas, quoi. Et à un moment, je me dis, bon, il est tard, il faut que je rentre, quoi. Il faut vraiment que je rentre. Alors j'y vais avec mon courage, lui dire en face quand même que je suis désolé, mais que j'ai pas trouvé de moyen. Et là, j'entre dans la chambre et monsieur dame, le lit, il avait des roulettes. Et pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Alors j'enlève les freins et puis nous voilà partis dans l'hôpital. Lui allongé sur son lit malade et moi debout derrière poussant le lit, un soignant. Et on parcourt le service là et puis on arrive dans la salle d'attente. Parce que dans la salle d'attente, il y a une télé avec une télécommande. Et donc je cloue le lit au sol et puis on se pose et on regarde la première mi-temps du match. Et il rigole, et je rigole, et il est heureux, et je suis content de voir ça. Et donc, on passe une superbe première mi-temps. Et à la fin de la première mi-temps, il ferme les yeux et il me dit je vais me reposer un peu avant la deuxième mi-temps. D'accord, j'en profite pour aller fumer une cigarette dehors. Et là, dehors, il y avait deux infirmières. Et les deux infirmières me disent Benjamin, t'en fais trop, là. Tu bosses demain matin à l'hosto. Il faut que t'ailles te coucher, t'inquiète pas. On le ramènera dans sa chambre, Pépé. Moi, je le regarde, je leur dis oui, mais s'il veut voir la deuxième mi-temps, vous le laissez voir la deuxième mi-temps. Hein. Elles me disent oui, elles m'assurent que oui. Alors, je rentre chez moi. Et le lendemain matin, quand j'arrive à l'hôpital, la première chose que je veux savoir, c'est si Pépé a vu la deuxième mi-temps. Et je rentre dans sa chambre, et je lui demande, alors, est-ce que t'as vu la deuxième mi-temps? Pépé, il n'avait pas vu la deuxième mi-temps. Pépé, il ne se souvenait même pas d'avoir vu la première mi-temps. Tout ça pour ça. Pépé, il est mort 3 mois plus tard, seul dans sa chambre d'hôpital, de vieillesse, seul dans sa chambre d'hôpital. Il ne se souvenait pas d'avoir vu le match de foot, et pourtant dans mes 7 ans que j'ai fait dans les institutions médicales, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment le sentiment d'être soignant, infiniment soignant. Je vous remercie de m'avoir écouté.